Bonjour mes curieux et curieuses, aujourd'hui pour ce Curious Must numéro 20, je voulais vous faire part des différents projets que j'ai en tête pour 2022 pour pouvoir faire en sorte que la chaîne évolue un peu plus parce que en 2 ans enfin, elle a évolué, mais sachant que je veux en faire mon métier un jour. Et en même temps, c'est une passion. Enfin, voilà. Je trouve que ça n'évolue pas aussi vite que je voudrais. Du coup, bah, en fait, j'ai envie de mettre en place toutes les idées de projet que j'ai depuis, on va dire, depuis le début, que j'ai pas forcément réussi à mettre en place durant ces 2 ans. Du coup, je vais vous énumérer un peu les différentes sections que je voudrais ouvrir sur ma chaîne. Donc, ça sera une seule et même chaîne, mais avec différentes sections. Donc déjà, je voudrais ouvrir une section histoire avec un grand H pour vous raconter tous les événements historiques dans le monde entier, en France, à toute époque. Et une autre section une section un peu plus fiction où je vous raconte des histoires, que ce soit des simples histoires, des contes ou même des sortes d'histoires horrifiques en mode creepypasta. Une section un peu plus basée sur la review de films, de séries, donc un peu à la note Serious, mais du coup, enfin, avec ma propre patte humoristique, ce sera pas du shité sur note Serious. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne à lui, je vous la mettrai en description, elle est topissime. Donc, ce sera pas de la critique de film parce que ça, comme Not Serious, je ne sais pas faire. Mais j'aimerais bien un peu apporter. Ça m'intéresse vachement, j'en regarde vachement et j'aimerais bien commencer à faire ça. Une section True Crime, parce que j'adore ça, le True Crime. J'en regarde souvent aussi avec On de la raconte, Megan Morgan. Enfin, tout ça, je vous raconte, je vous mettrai ça en description, tout ce que je vous dis. J'aimerais beaucoup aussi faire, comment ça s'appelle, une section ASMR parce qu'on m'en avait parlé, on m'avait dit que pourquoi pas, enfin, on m'avait dit que ma voix était apaisante et que et donc j'aimerais bien ouvrir une section comme ça. Et pourquoi pas continuer à vous lire des morceaux de livres. Comme j'avais fait une fois avec le premier tome de La Guerre des Clans. Voilà. Et aussi une section où je fais un peu plus des sketchs humoristiques. Avec, par exemple, je filme mes 5 chats et, dans des situations de la vie de tous les jours et je vous fais des voix off pour vous raconter. Pour vous raconter. Comment dire? Enfin, faire des voix off drôles, un peu à la. Comment ça s'appelle? Ah, je ne sais plus le nom de la chaîne, mais c'est pas mal. Je crois que c'est une vie de. Ah, je sais plus. Enfin, j'adore faire ce genre de choses avec des petites voix différentes pour chacun. Et pourquoi pas une section un peu plus basée sur. Sur les questions différentes que je peux me poser et dont j'y réponds. Et pourquoi pas aussi une section, ouais, je sais que je veux ouvrir plein de sections, mais j'ai vraiment envie de m'intéresser à plein de choses, Miss Curieuse, hein, pas pour rien. Une section où je réponds à vos questions, un peu si vous posez des questions sur la vie de tous les jours ou. Des questions qui vous trottent dans la tête depuis des jours. Enfin voilà. J'ai envie d'y apporter ma propre réponse, ma propre analyse. Voilà. Donc j'espère que ça vous intéresse, tous ces différents projets, toutes ces différentes sections. Et donc, je vous dis à demain pour le Curious Mus numéro 21. Je vous aime.